bienvenue pour une nouvelle chronique du service culture et patrimoine. La chapelle Saint-Marcel est l'ancienne église paroissiale du faubourg de la Baume. Cet édifice roman, classé monument historique en 1984, a été édifié au XIIe siècle. L'abside semi-circulaire est ornée d'un ensemble de stalles en noyer du XVIIe siècle, surmontée d'une remarquable fresque de la même période, encadrant un vitrail et sa gracieuse colombe. Sur cette fresque, nous pouvons découvrir notamment Saint-Jean, et Saint-Antoine avec son couchon. Ce personnage nous rappelle l'implantation d'un ancien couvent des Antonins. Cette fresque pourrait évoquer la Baume, car sur cet ensemble, plusieurs édifices nous rappellent le couvent des Dominicains, la tour fortifiée qui se trouvait autrefois au niveau du rocher. Sur les végétaux, nous pouvons également apercevoir différents oiseaux, dont un perroquet, un canard et d'autres oiseaux un peu plus mystérieux. Nous pouvons découvrir également dans Saint-Marcel un chemin de croix de Frédéric Maillard en pierre de rue Homs, l'autel majeur du XVIIe siècle qui proviendrait de la cathédrale de Sisteron, la chaire à prêcher dont l'accès se fait par un escalier dans le mur, un très beau chasublier en noyer également. À bientôt pour une nouvelle chronique du service culture et patrimoine.